Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nolo Survie, donc je suis accompagné de personne aujourd'hui. Donc, je fais une vidéo solo, hein, juste pour vous expliquer un petit peu. Je vais sur un site qui s'appelle NF, le FNBR, voilà. Donc, vous avez en haut à gauche de l'écran BR, voilà. Donc, c'est un site où vous pouvez savoir. C'est comme les fichiers du jeu, en fait. Les fichiers, il y a des Là, je suis donc sur PS4, sur PS4, hein, je vais vous montrer. Hop. Donc, je prends. Hop, voilà. Je retourne dessus. Donc, comme je vous disais, excusez-moi. Donc, je suis donc sur ma PS4. Et donc, je peux savoir actuellement tous les skins, tous les dances qui vont sortir. Par exemple, demain, après-demain, etc., etc. Donc, je sais actuellement. Et là, vous voyez déjà tous les skins qui vont sortir. Donc, c'est bien sûr en anglais. Donc, je peux pas trop vous dire. Bah, les noms, etc., à part avec Google Traduction, de toute façon, vous pouvez voir par vous-même avec Google Traduction, ou même si vous savez bien parler anglais, vous pourrez savoir. Donc, moi, j'avais la flemme de traduire, donc voilà. Donc, déjà, ce skin, il était en haut hier, et c'était le Ravage, voilà. Il est maintenant, il est sorti en boutique cette nuit à 2h. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc, le premier skin qui va sortir en boutique, qui sera le Cloud Star, voilà. Un skin qui passe, ça va, il est joli, plus ou moins. Il ressemble vachement au skin Road Trip, hein, il fallait atteindre les 7 semaines et tu débloquais le skin. Après, il y a une pioche qui doit sans doute aller avec, je pense, qui va sortir en boutique. Avec cette danse qui va sortir en boutique aussi. Donc ça, normalement, c'est ce qui doit sortir demain ou après-demain. Voilà. Après, dans 2-3 jours, il y a ces deux skins qui vont sortir. Ou je sais pas. De toute façon, c'est sûr et certain, ces skins vont sortir. Vous verrez par vous-même. Vous pourrez me faire confiance à partir de maintenant pour. Vous aurez juste à me demander quels skins sortiront et je vous montrerai de temps en temps. Le Dream Flower et ce skin, voilà. Pour savoir qui veut acheter les skins, etc., etc. Vous voyez entre vous. Donc ça me ferait extrêmement plaisir que vous lâchiez un like, parce que ce site j'ai galéré à le trouver. On m'a dit pas mal de trucs sur ce site et j'ai enfin trouvé. Donc comme ça, en plus sur ma chaîne YouTube, enfin vous pouvez savoir quels skins vont sortir, quelles danses, etc., etc. Donc là, je vais récupérer mon manette. Donc je peux pas filmer l'écran, sinon j'aurais filmé total. Alors attendez, je remonte un petit peu. Donc on a maintenant qui doit aller avec le Cloud Star. Il y a ce truc, je pense qu'il va aller avec. Voilà, et il y a le Hip Shaker qui va aller avec la Dream Flower, voilà. Donc il y a les deux danses, il y a trois danses en tout, hein, comme je vous disais, voilà. Qui vont sortir en boutique sans doute, ou dans le pass de combat prochain. Il y a le Summer Strummer qui sort avec ça, donc ça, et ça, et ça, et ça, voilà. Après il y a des danses, donc ça c'est le prochain pack PS Plus qui va sortir. Il y aura actuellement ça, plus le skin, non, ça, pas celui-là. Je sais pas quel skin il va sortir, mais je sais pas si c'est, non, non, celui-là, c'est pas le skin PS Plus, celui-là, c'est le skin à 4 € qui va sortir. Voilà. Donc, nous aurons bien sûr le skin, enfin, le planeur, celui-là, le Flappy, voilà, qui va sortir avec le PS Plus. Enfin, j'espère qu'il va sortir avec le PS Plus. De toute façon, vous voyez, hein, ça va sortir. L'artifact, qui va normalement sortir soit en boutique, parce que je vois qu'en ce moment ça sort de plus en plus en boutique. Enfin, j'ai vu que la première traînée est sortie avec le skin Ravage, voilà. Il est sorti aujourd'hui. Je sais même pas où elle est, la truc. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, je remonte un petit peu. Donc, voilà, ça c'est les 3 ans, comme je dis. Donc ça va sortir avec le pack à 5 € PS Plus. Voilà, donc peut-être ce skin va sortir avec le PS Plus, mais je suis pas du tout sûr. Donc ça c'est normal pour la saison 5. Mais on va dire que ces skins vont sortir en boutique. Celui-là et celui-là aussi, ils vont ensemble. Voilà, donc celui-là, il va avec elle. Voilà. Et lui, il va avec lui. Voilà. Le Trottler qui va avec ces deux skins, voilà, c'est une pioche.
Le Flappy, j'espère qu'il ira avec. Et il y a aussi cette danse. Bon, je sais pas ce qu'elle fait ici. Bon, c'est ça va sortir aussi. De toute façon, tout ce que je vous montre, ça va sortir. Je suis sûr et certain. Vous pourrez me faire confiance. Vous regarderez dans la boutique. Bah, dans quelques jours plus tard, etc., etc. Au fur et à mesure, ça sortira tout. Puis tous les jours, en fait, au fur et à mesure qu'il y a un skin qui part, il y en a un autre qui est rajouté. Parce que à chaque fois, Epic Games font un créer un autre skin. Voilà. The D Fire. Voilà, c'est un skin. Qui va aller avec un skin, voilà. Donc je suis pas sûr que ça aille avec un skin comme ça, mais voilà. Donc le Blaze qui va sortir avec ce skin. Et il y a l'Armadillo qui va sortir avec ce skin, normalement, voilà. Il y a le Drumbutt qui va sortir, j'ai avec aucun... Je sais pas du tout avec quel skin il va sortir. Storm Salutation, ça n'a rien à voir avec Jubilation. Vous avez peut-être pensé que c'est ça. Mais c'est une Storm Salutation, ça veut dire que c'est... Là, vous voyez l'image, en fait. Alors, attendez, je vais redresser mon nez. Hop, ma caméra. On dirait que... Qu'en fait, c'est... On dirait c'est... Bah, c'est Jubilation, alors pas du tout. En fait, c'est... Il met les deux mains et en fait, il va se baisser. En même temps, de garder les deux mains, voilà. Bon, c'est une skin à 200, comme ça. Voilà, le gars, il tape dans ses mains, apparemment. Je n'ai aucune idée. Donc après, il y a tous ces skins qui vont sortir. Hein. Vous avez bien vu, vous pouvez maintenant, à partir de maintenant, me faire confiance, voilà. À partir de maintenant. En tout cas, vous pourrez me faire confiance pour ça. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez savoir tous les skins bah, qui sont sortis et qui vont sortir, voilà. Donc après, ça, c'est tous les skins qui sont sortis légendaires, voilà. Qu'ils avaient prévus depuis très très longtemps. Et c'est des skins aussi que vous pouvez acheter. Alors qu'ils ne sont pas en boutique, voilà. Mais ça, je vais pas vous inciter à faire ça, parce que non, à la base, c'est illégal. Parce que t'as pas le droit de faire ça, mais en fait, il suffit juste de se connecter avec son compte, là-dessus, et d'acheter les skins, voilà. Donc voilà, pour ceux qui veulent le site, hein, je vous mettrai en description le site. Voilà. Donc ça, bien sûr, vous pouvez l'acheter, hein, regardez. Ah non, je sais pas si vous pouvez l'acheter, ça. Je crois pas. Vous pouvez acheter en tout cas ça. Ça qui a énormément de monde qui l'aime, comme même on va dire. Vous pouvez toujours l'acheter. Il est disponible lui aussi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tous les skins que vous pouvez acheter actuellement. Et donc voilà. Donc, voilà, il y a le Léviathan, il y a les ailes, il y a le voleur de cœur, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, ça ferait extrêmement plaisir. Parce que franchement, j'ai galéré à trouver ce site, mais ce site, franchement, oh, c'est comme si on était dans les fichiers du jeu, en fait. On peut savoir actuellement tous les skins qui vont sortir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao, bye.